Bon, je prends quelques minutes pour vous présenter le festival Réaction créative, puis en même temps la pièce que je vais présenter dans le cadre de ce programme-là. Réaction créative, c'est une activité qui relie art et science, qui a été créée par Olivier Léogan, qui est un doctorant en chimie, puis aussi un artiste. Ça a lieu dans différentes villes au Québec, dont à Montréal, Ottawa, au Saguenay. Dans le cadre de ce programme-là, moi, j'ai été associée à un chercheur qui s'appelle Dominique Turmel de l'Université Laval, qui travaille en géologie, entre autres sur la formation des deltas. Un delta, c'est quoi? Ben, un delta, c'est comme le delta du Nil, en fait. Donc, c'est une rivière qui vient se séparer en différentes rivières pour tomber dans un bassin d'eau ou une masse d'eau. Je ne sais pas trop comment dire ça. Et puis, il y a des deltas qui se forment aussi sous l'eau, dans le fond, quand il y a une rivière qui tombe. Mais dans ce cas-là, la formation du delta va se former dans l'argile parce que c'est ce que Dominique m'a expliqué. Dans le fond des eaux, ce qu'il y a dans le fond des eaux, c'est de l'argile. À partir de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu expérimenter la création d'un delta en tant qu'artiste, donc pour faire le pont justement entre les deux domaines. J'ai donc fait couler d'eau sur une plaquette d'argile. Jusqu'à temps que j'obtienne un delta, en fait, qui est arrivé comme ça. Dans le fond, c'est une plaquette d'argile. Puis ensuite de ça, ben, je l'ai moulé. Parce que c'était de l'argile liquide, il fallait que je mette de l'argile qui durcissait à l'air, là, pour pas que ça sorte de face. Puis ensuite, j'ai créé un socle que j'ai mis en pente de 35 degrés. C'est un socle en plâtre. Puis qui sert en même temps de base, là, qui vient un peu rappeler la terre parce que c'est fait en plâtre. Et puis j'ai mis du bleu là, qui rappelle un petit peu les cours d'eau. Donc je vous laisse sur un petit vidéo de mon œuvre. Puis pour plus d'informations, je vous mets des liens là, en bas du vidéo. Merci!